À 8h30 du 14 août 2021, un tremblement de terre a secoué le Grand Sud de Haïti. Les départements du Sud, des Nippes et de la Grandence ont été gravement impactés par ce désastre qui a laissé plus de 800 000 familles sinistrées. À cause des problèmes de sécurité dans le pays, IOM a eu recours à trois types de distribution, soit par voie aérienne, soit par voie maritime, soit par voie terrestre. Dès jour zéro, OIM a déployé trois équipes pour répondre à l'urgence à travers la distribution d'équipes de biens non alimentaires, notamment des barges, des fixing kits, des kits d'hygiène, jerry cans et blankets. Jusqu'à présent, OIM a pu assister environ 150 000 personnes à travers plus de 118 000 kits. Les différents types de kits distribués sont indispensables pour fournir aux familles sinistrées un moyen d'abri et le minimum de sécurité et de dignité, en appuyant sur la protection et l'appui psychosocial. Même que les assistances ont touché des milliers de familles, il y a encore des centaines de milliers qui ont besoin d'aide dans les régions les plus reculées dans le pays.